tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Réminiscence des vies antérieures qui a été créé par Osalé Intuitive et illustré par Mel Angenko. C'est un jeu, comme je vous l'avais dit dans la vidéo où j'avais présenté tous mes derniers achats, qui, à mon avis, peut suffire pour travailler sur les vies antérieures parce que il est vraiment très complet. Maintenant, moi, j'en possède d'autres et je pense que en utilisant plusieurs, ça va pouvoir me permettre de faire des tirages vraiment très 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 détaillés. Et j'avais évoqué la suggestion de faire une vidéo sur mes jeux sur les vies antérieures, un vlog pour vous les présenter tous, et j'ai eu des demandes, donc d'ici peu de temps je le ferai. Je vous présenterai mes jeux qui sont soit typiquement sur les vies antérieures, soit des jeux qui vraiment permettent de le faire, qui ont été prévus pour ça et pour d'autres utilisations. Donc voilà, on va découvrir déjà ce coffret-là. Donc c'est un très joli coffret en dur. C'est un gros coffret parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, il faut beaucoup de place pour le mettre dedans. Il est aux éditions Exergue et au prix de 28 euros. Et donc, en fait, il comporte 79 cartes. Donc, 79 cartes, ça veut dire qu'il en possède autant qu'un tarot, même une de plus. Et donc, vous voyez, ça justifie son prix. Parce que, clairement, moi, en tout cas, j'estime que un jeu de 36 cartes doit quand même normalement revenir moins cher qu'un jeu qui en fait plus du double. Donc voilà, et c'est donc une boîte cloche qui s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre très facilement d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas des boîtes, mais celle-ci elle s'ouvre très facilement. Alors à l'intérieur, on a comme un violet très très clair, je dirais un parme. Mais qui tire aussi un petit peu vers le beige rosé. C'est difficile de définir la couleur, je vous avoue franchement. Donc, sur le couvercle, vous avez cette illustration. Et c'est plutôt dans les tons de gris, un peu violet. Oui, c'est un mélange de gris et un peu violet. Donc, on a les cartes dans un pochon doré bronze, assez habituel et classique. À l'intérieur de la boîte là, c'est la même chose que dans l'autre, que dans le couvercle. Bon, je mets encore le petit papier, même si j'ai acheté le jeu d'occasion, mais bon, avec celui-là je n'ai eu aucun souci. Puis on a un gros livre, on va le regarder. Donc on a un sommaire, mot de l'auteur, mot de l'illustratrice. Donc elles donnent leur conception des vies antérieures, on va dire. Une introduction, comment avoir accès à ces vies antérieures, comment guérir les blessures et les peurs du passé. Et puis, le tirage des vies antérieures, il n'y en a qu'un seul de proposé. Et ensuite, nous avons les cartes qui sont divisées en trois parties. C'est période de vie et lieu, c'est qui as-tu été, et puis blessures du passé causées dans la vie antérieure. Donc on a un mot de l'auteur, donc qui explique sa conception des vies antérieures. On a le mot de l'illustratrice, pareil, elle nous donne sa conception des vies antérieures. On a une introduction, donc qui nous explique ce que sont les vies antérieures et la réincarnation. Comment avoir accès à ces vies antérieures? Bien entendu, on peut utiliser des oracles, pas que celui-là, il en existe d'autres. Donc, je vous ai dit, je ferai une vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai. Il faut que je revérifie sur mon PC au niveau des thèmes. J'en ai plusieurs en tête, mais
J'ai l'impression, quand je fais la liste dans ma tête, d'en oublier un. Donc, je vérifierai tout ça. Les rêves, les lectures et guidances de vie antérieure, l'hypnose régressive. Et ici, elle vous propose une méditation pour accéder aux annales akashiques en complément du tirage de cartes, donc avec un code qui vous donne directement accès. Donc, c'est un lien vers une vidéo YouTube. Ensuite, comment guérir les blessures et les peurs du passé? Un rituel chamanique de la mue qui vous est proposé, la méthode EFT et les soins de libération karmique. Donc, à faire par quelqu'un d'autre, par un praticien ou à vous essayer de les faire vous-même. Vous savez que si vous êtes attiré par le fait d'essayer vous-même, faites-le parce que nous avons tous en nous ces possibilités-là, mais que bien sûr, tout le monde ne va pas nécessairement les développer. Si vous vous dites que ça ne vous intéresse pas du tout, alors c'est que ce n'est pas le moment de les développer. Mais si vous avez envie d'essayer, ne vous gênez pas. Alors, le tirage des vies antérieures, c'est tout simple, hein? C'est un tirage en trois cartes, une carte dans chacune des catégories. Donc, époque et lieu de vie, qui on a été et quel événement on a pu vivre. Ensuite, on a les cartes. Donc, on a la description, par exemple, vous voyez ici, c'est l'époque. Ça commence par les époques et les lieux de vie. Donc, ici, c'est l'Égypte antique. Donc, on nous explique une description de l'époque. On a des conseils. Et on a des musiques à écouter pour en apprendre davantage sur la vie antérieure. Et ça peut être intéressant, effectivement, de voir si ça peut aussi réveiller d'autres mémoires en vous. Parce que parfois, quand on ne fait pas intervenir le conscient, le mental, ça peut réveiller des choses. Qui ne seront pas réveillés par le mental parce que le mental va faire obstruction. Donc voilà. Et puis bon, on a ça pour toutes les cartes, hein. Toutes les cartes. Et donc, selon les trois catégories que je vous ai données, donc je vous avais dit, hein, les périodes de vie et les lieux. Qui as-tu été? Et enfin, les blessures du passé causées dans la vie antérieure. Donc des blessures ou des situations. Voilà pour ce qui est du livre. Et à la fin, on a encore à nouveau à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Là, c'est sur plutôt leur biographie, on va dire, hein, et leurs coordonnées. Alors, on va regarder les cartes. Donc, dans le fameux pochon doré, un peu foncé. Voilà. Alors, voici le dos. Bon, j'aime bien, je dois avouer. Déjà, les coloris me plaisent bien. Elles sont brillantes. Vous allez voir, parce que j'ai mis ma lampe. Donc, on va le voir. Maintenant, le temps s'est éclairci. Je vais peut-être voir si je peux la couper. Tranches dorées. La qualité est bonne. Elles sont souples, mais comme elles sont brillantes, je pense que ça va bien durer dans le temps. Elles ne sont pas non plus très fines, hein. Voilà. Elles sont pas si épaisses que ça. J'ai d'autres jeux avec des cartes beaucoup plus épaisses. Mais voilà, elles sont souples et comme elles sont brillantes, je pense que ça va tenir, sauf probablement un petit peu la tranche. Alors, je vais voir ce que ça donne sans la lampe. On va bien voir. On aura peut-être un peu moins de reflets comme ça, je ne sais pas trop. On en a quand même un petit peu, c'est comme toujours le cas avec les jeux brillants. Alors, on va regarder tout ça. Alors, pourquoi est-ce que j'ai acheté celui-là? Il y en a un autre qui est sorti aussi à peu près au même moment, assez dernièrement, hein. Mais il me plaît moins, d'abord parce qu'il est moins complet, et puis parce que j'ai pas du tout accroché aux illustrations. Ici, j'ai vraiment accroché aux illustrations. Je les trouve vraiment très jolies, ce qui ne gâche rien,
parce que ça me donne plus envie d'utiliser le jeu, sachant que les illustrations me plaisent bien. Regardez-moi cette carte de l'Égypte antique. Je la trouve très belle. Déjà, les coloris sont très jolis, je trouve. Ils sont harmonieux et ils sont, selon moi, évidemment, selon mes goûts, vraiment en lien avec le thème de la carte. Moi, c'est comme ça que je vois les coloris de l'Égypte. Voilà, je ne suis pas la seule, hein. Je possède le jeu de Claire Duval sur l'Égypte. Bien, la boîte est dans les tons comme ça. Voilà. L'âge des Vikings, par exemple, mon tarot des runes, eh bien, il est dans ces tons-là. Donc, vous voyez. Alors, la Chine antique. Je suis un peu hors du cadre. Le peuple des étoiles. Les élémentaux. Le Japon ancien. La civilisation romaine, la Grèce antique, les Amazones, l'Empire russe, les pays celtiques. J'aime vraiment beaucoup les cartes. Vous voyez, c'est des peintures, hein. Ce sont des peintures, il n'y a rien à faire. Moi, je suis quand même très fortement attirée par les peintures. Alors, les Aztèques, les Mayas et les Incas. La conquête de l'Ouest américain. La Révolution française. Le Moyen-Âge. La révolution industrielle, le royaume de l'Atlantide, le siècle des Lumières, il y a beaucoup de cartes qui me parlent, moi, la Renaissance, c'est fou, les années folles, la période coloniale, l'époque biblique. Regardez comme elle est belle aussi. La finesse des traits, je trouve. C'est magnifique. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup les illustrations. Les communautés religieuses spécifiques. Les guerres. Bon, ça, c'est peut-être pas très précis. Parce que quelle guerre? Il y en a eu tellement. Le totalitarisme. L'Afrique subsaharienne, le monde arabe, sauf qu'il faisait plus focus, les peuples autochtones, la guerre de Troie. Alors là, on commence sur qui on a été. Pirate, paysan, agriculteur, animalier. Je pense qu'il faut aussi parfois élargir un petit peu le sens des cartes. Je vois celle-ci, animalier, et je me dis que vous n'avez peut-être pas été vraiment éleveur animalier, mais que peut-être ça a rapport avec un lien très fort que vous avez eu avec des animaux dans une autre vie, par exemple. Je pense qu'il faut pouvoir élargir, parce que vous imaginez bien que même sur un jeu qui possède presque 80 cartes, on peut quand même pas tout y mettre, c'est impossible. Ensuite, artiste, ça c'est bien parce que c'est plus générique. Scribe, chaman et guérisseur,
sorcière. Esclave et prisonnier. Ésotérisme et spiritualité. Roi et noblesse. Militaire ou chevalier. Personnalité influente. Artisan. Commerçant. Figure religieuse. On est très nombreux à avoir beaucoup de vie comme moine ou nonne ou prêtre à l'heure actuelle. On est très 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 nombreux à en avoir eu. Et pas mal de nos blocages concernant l'abondance, concernant l'amour, concernant tous ces ces domaines où on peut se sentir indigne ou pas légitime, viennent de là. Et on a beaucoup de choses à libérer de ces vies-là. Alors, marin pêcheur. Bon, j'ai le soleil qui varie là pendant que je tourne la vidéo. J'espère que ça le fera au niveau de la lumière. Explorateur vagabond. Il sort, il se recache, il ressort, il se recache. Médecin, infirmier, personnel soignant. Savant et enseignant. Bâtisseur et architecte. Bourreau. Vie de repos, parce qu'on a aussi des vies où on ne fait pas énormément d'expériences, effectivement. Truand. Fille de joie. Mineur et exploitant du sol. Et justice. Donc ça, c'est tout ce qui a trait à la justice. C'est bien parce que c'est plus générique. On n'a pas mis juge ou avocat ou quoi que ce soit. C'est bien. Parce qu'il faut vous dire que de toute façon aussi, à certaines époques, ce n'était pas les mêmes, les mêmes fonctions que maintenant. Donc ça, c'est très bien, je trouve. Alors, on en arrive aux blessures et aux situations vécues. Blessures d'abandon. Alors, ce qui est chouette, c'est que, effectivement, les 5 blessures qui empêchent d'être heureux et qui ont été identifiées par Lise Bourbeau et développées par Lise Bourbeau, y figurent. Et ça, c'est chouette parce que quand on lit ces livres, on comprend que de toute façon, on est tous dans cette incarnation-ci, tous autant qu'on est, avec les blessures à différents degrés. Quasiment toutes les blessures. Pour certains, des blessures beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, on a parfois, on peut se dire, celle-là, je ne l'ai vraiment pas beaucoup, et c'est possible, mais ça veut dire qu'on a très fort une autre. Et c'est intéressant, je pense, parce que moi, j'ai des jeux, en plus, de Lise Bourbeau. Et donc, je pense que je pourrais assez bien creuser si je tire ces cartes-là. Alors, alimentation et faim. Pauvreté. Blessure de rejet. Vœux et serments. De toute façon, moi, j'ai identifié les blessures d'après les livres de Lise Bourbeau. Je sais très, très bien quelles sont mes blessures dominantes. Sentiment de culpabilité, séparation difficile, grossesse douloureuse, accident et handicap, meurtre et assassinat, catastrophe naturelle, blessure d'injustice,
déshonneur, blessure de trahison, suicide, enfermement et prison, empoisonnement et intoxication, manipulation, incendie, blessure d'humiliation, fin de vie traumatique, blessure de guerre, noyade et soumission. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très complet. Je pense que c'est un petit bijou ce jeu. Je suis vraiment curieuse de le tester. Et je pense que je le testerai avec d'autres tirages aussi de vie antérieure que j'ai chez moi, parce que bon, ben là, c'est très très basique au niveau des tirages. Après, on peut évidemment recreuser, hein, on peut recouvrir avec des cartes du même jeu ou plutôt d'un autre jeu, je pense. Sachez aussi qu'on peut faire les vies antérieures avec le tarot. Ça part très 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 bien. Mais je vous parlerai de tout ça dans mon vlog sur les vies antérieures. Parce que sinon, je suis partie pour longtemps et on est déjà à 22 minutes. Voilà, donc pour la présentation de cet oracle, réminiscence des vies antérieures, d'Osalée intuitive illustrée par Mel Angenko, aux éditions Exergue. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui n'avaient pas vu ma vidéo précédente et qui sont intéressés aussi par le vlog sur les vies antérieures, n'hésitez pas, enfin sur les vies antérieures, je veux dire, pour vous présenter mes jeux, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste des vies antérieures, hein, ça m'intéresse, mais c'est beaucoup pour moi. Hein. Après, peut-être qu'un jour où j'aurai creusé, je ne sais pas. Mais je veux bien vous montrer mes jeux, vous montrer comment je m'en sers, comment je peux éventuellement associer, et je peux... rechercher aussi les tirages. Je sais que j'en ai recopié des tirages sur les vies antérieures et donc je peux vous montrer tout ça dans un vlog. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là et puis si mon contenu vous plaît, bien entendu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.